On est dans les filets de la travée A. Donc c'est la plus longue ligne de filets qu'on a installée ici à la station de bagages de Coin du Bas. Et puis c'est la deuxième tournée des filets. On vient chercher les oiseaux après 30 minutes d'attente. Le principe, c'est que les filets forment des poches. Quand l'oiseau veut traverser le filet parce qu'il pense pouvoir le traverser ou même qu'il ne le voit pas tout simplement, il va rentrer, il va faire ouvrir le filet, puis il va descendre dans la poche qui est formée par le filet. Donc là, l'oiseau, il est rentré dans la poche du haut, puis il se retrouve ici maintenant prisonnier, on va dire, dans les mailles. Puis nous, notre rôle maintenant, ça va être de le sortir le plus rapidement possible pour limiter le stress au maximum. Il y a des oiseaux qui attendent là-bas. C'est un oiseau qui avait déjà été bagué, probablement par nous ici, par l'équipe ici, avec une petite bague là. Donc voilà, maintenant il est sorti du filet. Je vais le mettre dans un petit sac en tissu, qui peut laisser passer l'air, pour qu'il puisse respirer dedans, évidemment. Puis on va les ramener tous à la table de bagages. Tous les oiseaux qui ont été pris dans cette tournée, on va les ramener à la table de bagages. Et puis on va les sortir un par un pour lire le numéro de bague, pour faire ce qu'on appelle un contrôle de l'oiseau. Et puis, ceux qui ne sont pas bagués, on va leur poser la bague à ce moment-là. Conservation Nature Canada, c'est un organisme privé, sans but lucratif, qui va travailler à protéger des milieux naturels au bénéfice des générations présentes et futures, mais également pour les communautés. Donc, le but, c'est vraiment de protéger là, légalement des terres. Nous, on travaille en milieu privé pour... ça peut être la faune, la flore et des espèces menacées. Ici, au barrage de Malbaie, on sait qu'on travaille dans un milieu qui est prioritaire pour la conservation parce que c'est là qu'est rassemblé plusieurs éléments d'intérêt pour la conservation. Donc, ça, on peut parler d'une grande diversité d'habitats concentrés au même endroit. Donc, ici, le barrage de Malbaie, c'est la plus grande lagune naturelle de tout le Québec. Donc, des grands milieux humides, marais d'eau douce, marais d'eau salée, tourbières, forêts humides, qui vont attirer leur lot d'espèces. Et cette grande diversité d'espèces-là fait en sorte que le lieu est fréquenté par une grande faune, puis que c'est un lieu exceptionnel à protéger. Alors, on capture, en gros, là, cette année, on part quand même sur une bonne saison ici à Percé. On va dépasser les 3000 oiseaux. 3000 captures. Donc, c'est-à-dire que, en comptant les oiseaux recapturés, c'est-à-dire qu'à chaque jour, on a des oiseaux des autres jours qui sont comptés du coup une deuxième fois. Donc, ça va faire 3000 captures pour environ 2300, 2400 oiseaux différents du 1er août et le 15 septembre. En gros, ça va être dans ces eaux-là. Et puis, aujourd'hui, on va passer la 3000e capture, par exemple. Lorsque les conditions de migration ont été propices, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont quitter le site et que donc on ne reverra plus. Par contre, donc une grosse proportion de nouveaux arrivants finalement qui vont venir occuper la place. Par contre, quand les conditions n'ont vraiment pas été bonnes, et bien les oiseaux peuvent rester deux jours, trois jours sur le site pour s'alimenter, pour refaire des réserves et pour attendre des conditions propices pour pouvoir repartir. Le suivi qu'on fait concerne principalement en fait des oiseaux terrestres parce que le littoral, comme ici au Barachois, joue un rôle d'entonnoir, finalement, un rôle de couloir de migration, finalement, pour les oiseaux migrateurs. Et puis, le but ici, c'est d'intercepter justement les oiseaux en migration le long du littoral pour faire le suivi démographique, c'est ça. Que c'est des milieux qui ont leur importance au niveau des espèces, mais aussi au niveau de leur fonction écologique. Des marais côtiers comme ça, ça va vraiment permettre aux infrastructures, aux communautés d'être protégées des vents, des inondations, des marées. Donc, dans le fond, avec les changements climatiques, c'est sûr que ces épisodes-là sont encore plus intenses ici, en région côtière. Donc, des grandes étendues de marais comme ça vont vraiment protéger les communautés. Puis aussi, bien, c'est vraiment des milieux productifs en termes de matière organique, de nutriments. Donc, c'est une source importante de nourriture pour des oiseaux, par exemple, qui vont migrer, puis ont besoin de lieux comme ici pour s'alimenter avant de leur longue migration. La mer est là, la barre de sable, la partie forestière qui entoure le Barachois.
Alors, lorsqu'on a autour de 200, plus de 200 espèces, ben, il y a celles qui passent seulement en migration, comme les micoles, mais il y en a beaucoup qui nichent là, il y en a beaucoup qui s'alimentent lors de leur migration. Alors, c'est un habitat essentiel pour plusieurs espèces. Et le verre à choix est utilisé par des observateurs de passage ou locaux. Il était beaucoup utilisé aussi par les gens de la place, chasse, pêche. Mais maintenant, il y a toujours ces activités-là, mais on dirait que les gens se sont appropriés le milieu pour autre chose. Alors, ils viennent faire de la randonnée, ils font de belles marches, ils font du vélo, alors ils viennent pique-niquer. Alors, ça s'est un peu modifié. On a l'impression que les gens maintenant apprécient mieux, comprennent mieux l'importance du milieu. C'est déjà assez fragile, puis c'est un gros défi ici de concilier tous les usages. Et puis on a tellement un endroit magnifique qu'on veut absolument le mettre en valeur. On a beaucoup de potentiel pour aller chercher les touristes, amener les touristes ici, mais des touristes qui ont envie de vivre une expérience de nature, puis une expérience de calme et de contemplation. Active aussi parce qu'on veut faciliter la circulation sur le barre à choix par une piste pédestre et cyclable, mais on veut surtout que les gens profitent de la beauté puis regardent le rocher percé sous un autre angle. C'est sûr, la présence humaine, ça va dans les deux sens. C'est sûr que c'est une source, ça peut représenter une source de perturbation, en effet, parce qu'avec un grand achalandage de gens dans un milieu naturel, il peut y avoir du piétinement au niveau de la végétation, il peut y avoir du dérangement de la faune et tout. Mais également, le fait que les gens voient ce milieu-là ici, se l'approprient, le trouvent beau, ils veulent le protéger, bien, c'est aussi une opportunité, en fait, que les gens voient l'importance de ce milieu-là. C'est que ça nous permet d'impliquer la population et la communauté dans le même travail que nous faisons, c'est-à-dire protéger ces milieux-là avec la communauté. Donc, on n'est pas tout seul à faire le travail, mais il y a des gens qui ont un petit consensus au niveau de la communauté, au niveau municipal, au niveau des visiteurs pour dire, OK, on se met ensemble puis on essaie de protéger. On ouvre les filets tôt pour pouvoir commencer dès l'arrivée des oiseaux migrateurs, dès qu'ils se posent au sol, finalement, pouvoir potentiellement les capturer. Et ensuite, on va, toutes les 30 minutes, aller chercher les oiseaux dans les filets pour les ramener ici, à la table de bagages, où on va, un par un, les sortir du sac pour leur poser une bague ou pour lire la bague qu'ils avaient déjà à leurs pattes quand ce sont des oiseaux déjà bagués. 79 d'ailes. En l'ayant en main, on peut avoir des informations plus physiologiques, avoir la quantité de gras, de muscles de chaque individu au moment où ils sont capturés. On a aussi des indices morphologiques, donc avec les longueurs, les tailles finalement des oiseaux, avec leur longueur d'aile. Et puis on peut distinguer des populations, par exemple, à partir des longueurs d'aile ou des changements dans les comportements migratoires en fonction des longueurs d'aile, par exemple. 29.2. Je vais essayer de la relâcher doucement. Alors on souffle sur le ventre pour voir justement pour avoir une meilleure vue finalement sur leurs muscles et sur la cavité claviculaire à l'intérieur de laquelle ils vont stocker prioritairement le gras. 7-2. Révi, HY par EY. On évite de tenir l'oiseau trop longtemps dans les mains parce que c'est une source de stress. Puis une fois qu'il est relâché, là, il va vite passer à autre chose. Et puis c'est ça. C'est un stress qui est relativement intense pour les oiseaux, mais il est très, très, très momentané. Enfin, il est très court finalement dans le temps. 14.0. On fait en sorte aussi d'accueillir des nouvelles personnes. On a 2-3 bénévoles, on va dire débutants, qui apprennent finalement, qui pourront ensuite nous donner un coup de main dans les autres années. Je vous dirais que c'est super trippant. C'est super... pour moi, je pensais trouver ça difficile le matin en me levant à 3h15 pour être ici. Mais non, là, ça fait une dizaine de jours que je le fais. Puis c'est surtout que j'apprends beaucoup de choses aussi au niveau des oiseaux. Il y a des personnes ici qui nous initient à l'identification, les jeunes, les adultes, le nom des oiseaux. Donc, c'est très enrichissant. Ouais,
Floriane, c'est quoi exactement? Alors ici, je tiens un faucon émerillon. C'est une jeune femelle. On a capturé dans nos filets. C'est une belle fille. C'est une pariline couronnée. Donc c'est ça. On est sur la fin de la migration ici, début septembre pour les parulines. Et puis pariline couronnée fait partie des grosses parulines. Qu'on va voir. Donc vous voyez, elle est comme grivelée, comme, un peu comme une grive, mais c'est bien une petite paruline. Donc elle aussi va nous quitter pour arriver dans le sud des États-Unis, puis en Amérique latine. Donc c'est ça, on a aussi un mandat de sensibilisation et de vulgarisation finalement des informations scientifiques ici aussi à Coin du Bord. Et puis on a aussi pour habitude de faire relâcher les oiseaux par des visiteurs. Puis c'est ça qu'on va faire là. Donc là, je vais vous inviter à ouvrir votre main comme ça ici. Puis je vais la mettre. On va la laisser. Elle va rester quelques secondes. Voilà. Et là, quand vous voudrez, vous mettrez... Bon, il n'y a pas eu deux heures, c'est bon. Et parti. Plus le nombre de milieux stratégiques comme ça pour la biodiversité en général, là on parle des oiseaux, mais la biodiversité en général est très importante dans ces milieux-là. Et donc, il y a un vrai intérêt à globaliser finalement la protection de ces habitats-là. Pour garder à la fois des pouponnières à oiseaux qui soient juste pour la reproduction ou également pour les happes migratoires. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de fondations et d'organismes qui justement ont pour mission de s'approprier des terres pour les protéger. Ici, on est sur un habitat qui est stratégique et en plus, il y a la communauté qui est intégrée dans cette protection-là. Et le fait que les gens s'approprient cet habitat et puis finalement l'idée de le conserver, de le garder au maximum en état en ayant conscience de l'importance que ça a, c'est sûr que l'acceptation du grand public et des habitants autour, ça va, c'est le meilleur moyen de pérenniser finalement cette protection. Oui, moi je suis optimiste parce que c'est pas un projet qui tombe, au contraire, c'est un projet qui prend de l'ampleur puis qui attire plus en plus de monde. Il y a une effervescence aussi en Gaspésie en ce moment avec des gens qui s'installent ici, qui veulent développer des nouveaux projets, toujours axés, intégrés avec les milieux naturels. Puis c'est ce qu'on voit au Bas-Achois de Malbaie, il y a des petites entreprises, il y a des gens qui s'installent. Donc on sait que ça va prendre de l'ampleur, puis d'un bon sens. Donc les gens sont de plus en plus conscientisés à l'importance de protéger le milieu naturel. Puis on veut aller chercher ces gens-là pour travailler avec nous, dans la même orientation. Il y a un changement de mentalité. Oui, on sent on le sent ici aussi au Bas-Achois de Malbaie. Qu'il y a un changement de mentalité pour, oui, continuer à apprécier la nature, mais toujours en faisant attention.